Salutations, ladies and gentlemen. On se retrouve, on est le 25 décembre et donc je vous re-souhaite à nouveau un joyeux Noël. C'est aujourd'hui, c'était pas hier soir. Et là, il y a le lama qui se fait la malle. Non, mais Sandek, il en profite que je vous fais un petit coucou pour se barrer, lui. Mais mince, je veux repasser à la première personne. Pourquoi il a réussi à enlever sa laisse, lui? Eh, viens là, toi. Viens là, j'ai décidé que vous rentriez avec moi tous, là. Tous autant que vous êtes. Voilà, tout le monde se ramène à la queue leu-leu, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y en a d'autres des copains à vous, là? J'en ai assez galéré pour vous avoir. Apparemment, non. Donc, ce que j'ai lu dans le wiki Minecraft depuis hier, c'est qu'il faut leur donner des blocs de paille pour qu'ils fassent des bébés. Mais apparemment, ça marche pas. Donc, il y a un bug, je pense. Parce que là, j'en ai donné pas mal. Il n'y a pas de bébé, on est d'accord. Ils n'ont pas fait de bébé, là. Allez, on tente avec les deux derniers blocs de paille. Hop, et ben non, ils font pas de bébé. Et l'autre là, il arrête pas de me piquer ma laisse. Donc, vous arrêtez vos bêtises. Hop, voilà, tout le monde derrière lui là. Je remets la carte ici. Hop, voilà, et tout le monde me suit. Je sais pas où je suis. Je pense que là, la forêt de bouleau, je suis perdu. Je suis complètement perdu. Alors, on va aller vers le nord. Hein. Faut que je refasse le réglage de tout ça parce que là c'est complètement nul. On voit pas tout. Eh bien, si vous voulez, on va le faire ensemble. Hop, hop, on va aller dans mode. Voilà, on va aller dans les modes du F3 Better. Voilà, vous allez dans ici. Voilà, vous aurez vu comme ça comment on fait. Les modules de gauche, voilà, vous pouvez dire t'affiche, t'affiche pas. Donc, les FPS, c'est intéressant. Le serveur, je m'en fous un peu, les coordonnées, oui, ça, j'en veux pas, donc normalement, si vous faites Edit Module, vous pouvez mettre No, ici, voilà, sauvegarder, Location, je m'en fous, non, je m'en fous pas, Entité, par contre, ça, j'en ai, rien à faire, Edit, oh, de toute façon, on va voir ce que ça donne, hop, j'essaye de le faire ça quand même assez vite, les sons, on s'en fout, hop, non, sauvegarder, l'help, ouais, misc left, alors on va voir ce que ça donne, hop, on refait F3, ah, déjà on en a viré un peu, l'actif renderer, je sais pas ce que c'est, mais on va le virer, palabadam, ça doit être ce qui est dans help d'ailleurs, dans le dernier, le facing west, nord c'est par là, ok. Bon, on va s'en contenter pour l'instant, j'ai toujours ma laisse, ok, on va aller vers le nord, donc le nord c'est par là. Nord, nord, nord-ouest. Ah ouais. Ah ouais quand même. Alors ça suit toujours là? Yes, je les ai tous. Ouais, c'est cool. C'est cool. Et puis si on en croise sur la route, ils vont suivre, normalement ça peut être jusqu'à 9. Bon allez, hop, on sait que le nord-ouest c'est par là, on enlève ça. On fait gaffe qu'on traîne toujours nos machins. Et puis, on va par là. Alors, normalement, si je les attache si j'attache le premier à une barrière, les autres vont rester derrière. Voilà, donc c'est pas mal, ça. J'en ai toujours 4, impeccable. Bon, faut que j'élucide, par contre... Bah tiens, il est là, le biome flower. Faut que j'élucide l'histoire du... comment on fait pour les reproduire. Parce que, bah, il me semblait bien que c'était bloc de paille. C'est ce que dit le wiki. Donc, y aurait-il un bug dans cette histoire? Y aurait-il un bug? Ce que j'aurais bien aimé, en fait, c'est trouver, terminer les, quand même Noël avec la fameuse ruche, là. Et donc, pourquoi pas attacher mes lamas en attendant. Attacher les lamas en attendant. Pour ça, il faudrait que je trouve une barrière où je la fabrique. Voilà, tout le monde suit, c'est impeccable. C'est peut-être les animaux qui suivent le mieux, ceux-là, hein. Hop, on est toujours dans le biome flower, donc normalement je devrais pourtant me rapprocher du village. Oh, il y a les oiseaux qui chantent. Ah mince, fallait pas monter par là. Zut de crotouille. Excusez-moi messieurs les lamas, nous allons donc faire demi-tour. Demi-tour, hop, on va essayer de redescendre par ici. Pouic, pouic, pouic. Il me suit, tant qu'il me suit, les autres vont suivre. On va essayer d'éviter de passer dans l'eau. Par contre, voilà, il suit toujours, impeccable. C'est, pour une fois, ça se déroule à peu près comme je l'espère. C'est pas mal. Hein, déjà, en soi, c'est pas mal.
Par contre, ce que je piche pas, c'est pourquoi je ne reviens pas sur la carte. Ça, ça m'étonne. Ah, là, il y a une ruche. Ok. Par contre, j'ai pas de bois sur moi, j'ai pas de barrière sur moi. Donc, il faudrait que j'aille me faire un arbre. Venez, monsieur. Venez, venez, venez. Venez par là. On va faire le tour. Hop. Quick. On va se faire cet arbre-là. Tiens, des citrouilles aussi. Là. Hop. Évidemment, c'est un arbre chiant. Un grand. Ok. Donc, on se fait quelques planches. On va se faire quelques bâtons. Hop. J'ai même pas d'établi. Enfin, c'est toujours en avoir un, mais c'est pas grave. On va le mettre là. Hop. On va se poser un petit établi ici. Pouf. Voilà, on va se faire une barrière, enfin trois. Et on va attacher nos amis, les lamas. Hop, voilà, voilà, voilà. Comme ça, ça c'est fait. On va pouvoir les laisser ici et nous, on va aller s'occuper de la ruche. On va voir si on peut... Bon bah, c'est que... J'ai récupéré pas mal de choses, là. Alors, attendez, on va faire un truc aussi. On va replanter l'arbre, couper. Un arbre coupé, un arbre planté. Je vous rappelle. Ok, allez, hop, on va par là. On va prendre quelques fleurs. Voilà, pourquoi? Eh bien pour nourrir les abeilles. Parce qu'elles aussi font des bébés, je vous rappelle. Et que si on en a trois dans une ruche, on peut avoir un progrès. Alors, où est-ce que j'ai vu les abeilles par contre? Je les ai vues. Maintenant, il faut les retrouver. C'était par là. Ah, allez, là. La ruche est là. Nickel. Alors, en voilà une d'abeille. Où est ta copine? Dis-moi que t'as une copine. Dis-moi que t'as une copine. Bon, je vais te laisser folâtrer pour l'instant. Moi, je vais récolter du bois pour faire un feu de camp. Surtout que j'ai pas de charbon sur moi. Ça, c'est moins cool. Qu'est-ce que je peux balancer? Comme d'habitude, je suis full, hein, mais voilà, j'ai plein de trucs sur moi qui ne servent strictement à rien. Palam, il n'y a pas un petit bout de charbon qui traîne, là? Allez, tiens. Suite demandée. Demandez, vous serez exaucé. Voilà, il suffit d'y croire, et ça vient. Ceux qui me suivent sur Facebook vont... Enfin, dans mes amis Facebook, et qui me regardent vont comprendre l'allusion. Par contre, là aussi, il faut que je balance des choses. Palop, palom. La chair à zombie, clairement. Sans hésiter. Ouais. On va faire un truc aussi. Avant que, quelle heure il est là, 14h45. Faut faire gaffe quand même. On va poser tout de suite notre Ender Chest. Et puis, on va ranger 2-3 trucs là dont on n'a plus besoin. Si les os, on sait jamais. Et qui prennent beaucoup de place dans l'inventaire, ma foi. Taladadam, tout ça, ça peut peut-être servir. Ça, certainement pas. Ça non plus. La carte déjà faite non plus. Ok. Allez, voilà. C'est déjà pas mal. Ça va nous permettre de prendre quand même des blocs un peu plus intéressants. Comme là, ce fer qui me tend les bras. C'est quand même dommage de laisser du fer alors que j'arrête pas de me plaindre que j'en ai pas assez. Hop, on fait gaffe quand même parce que là-dedans, eh ben, y a encore du charbon. Et surtout, voilà. Et il y a plein de fer. Moi, je dis, je me sers. Hein. Je me sers au passage. Je suis venu pour les abeilles, mais... Enfin, je suis pas venu pour les abeilles. Je fais totalement à l'impro, là, comme d'hab. Mais encore plus que d'hab. Moi, tout ce que je veux, c'est voir ces petites abeilles, là. Faire un petit feu de camp en dessous. Hop, et je voudrais juste deux abeilles, s'il vous plaît, pour être sûr qu'il y en a trois dedans. Ouais, alors pour ça, il va falloir que je pense que je fasse le comment ça s'appelle? Ouais, 16h34 en plus, il faut que je me dépêche. Il va falloir faire vite un feu de camp. Hop, on va le mettre. Ah, il y en a une là. On va le mettre en dessous. Ah, il y en a deux! Venez, 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 vite, vite, voilà, une, et viens, viens, cocotte, viens, 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 viens là,
Voilà, faites-moi un petit bébé, comme ça vous allez rentrer à la nuit tombée dans votre ruche. Sous la ruche, je vais tout de suite mettre, hop, le petit feu de camp qui va bien. Et comme j'ai touché de soie, normalement, je devrais pouvoir récupérer. Normalement, j'ai même une fiole là. Hop. Ouais, j'ai une fiole. Regardez. Pouic. Voilà, on récupère le miel. Impeccable. On récupère tout de suite ça avant d'oublier. Et quand il va faire nuit, elles vont rentrer normalement. Voilà, impeccable. Une. Et les deux autres là. Allez, on rentre aussi. Il va faire nuit là. Hop. Ah mince, elle est ressortie. Et à la nuit tombée, vous êtes censé rentrer dans votre ruche, les cocottes. Là, vous êtes trois. Soyez sympas. J'ai mon toucher de soie qui est prêt. 18h06, elles vont pas se coucher. Qu'est-ce que c'est que ce beans? Qu'est-ce que c'est que ce beans? Une, deux. Allez la bébé, allez le bébé. Tu rentres dedans aussi? Mais oui, mais si. Mais si, rentre dedans. Pourquoi tu rentres pas dedans? Et le bébé là, t'es où? Pourquoi elle y va pas, elle? Cette ruche là je l'emmène. Là, il n'y a pas à tortiller. Même s'il y en a que deux, je m'en fous. J'emmène. J'en ai marre de ces abeilles. Je veux le progrès. Ok, elle est rentrée dedans ou pas? Est-ce que je suppose qu'elle est dedans ou pas? Là, il fait quand même nuit noire. Hein. Je la vois plus. Allez, on suppose, tant pis. Hein, au pire, j'en aurai deux dedans. On va récupérer donc avec toucher de soie. Voilà! Le petit progrès d'émiel-nagement, impeccable. On va récupérer aussi notre feu de camp, il n'y a pas de raison. Et on est à 386 progrès, yes! Et la nuit est tombée, on voit plus grand-chose. Donc il y a mes lamas là-bas. Donc ça a marché, donc ça veut dire qu'il y en a bien 3 dedans. Yes! Ça c'est cool. C'est méga cool. Les chats, vous faites votre boulot s'il vous plaît. Voilà, je vais récupérer le fer aussi, tiens. Donc du coup, ouais, j'ai un nid d'abeilles. Ouais, ça c'est cool, c'est cool. Ah non, il y a marqué deux tags. Je sens qu'il n'y en a que deux dedans. Je sens qu'il n'y en a que deux dedans. Zut de crotte. Bon, bah c'est pas grave, on les fera se reproduire à la maison. Et on fera une ruche. Du coup. Comme ça, on va compléter un petit peu notre ménagerie, là. Par contre, j'ai un petit peu peur pour vous ramener, vous, que ce soit pas gagné d'avance. Parce que... ramener les lamas jusqu'à la maison. Alors, là, c'est le nord. Là, c'est l'est. Et là, l'ouest. Ok, donc c'est vraiment plein nord. Ce serait par là qu'il faudrait ramener les lamas. Sauf que il faudrait les ramener par l'eau. Ça va être chaud, ça. Ça va être chaud, chaud, chaud. Je sens que ça va être très compliqué. On va voir. Alors, hop, on récupère la laisse. On la remet au lama. Ouf, tout le monde se met à la queue leu-leu. Et on est parti. On essaye quand même. On va voir ce qu'on peut faire. Ça suit, ça suit. Ok. Alors, on va essayer d'aller par le nord. Ah, des chevaux aussi. J'aurais... Ah, j'aurais pu prendre une selle aussi. Ah, j'en ai peut-être dans l'Ender Chest. Okay, il est 21h13. Ça devient compliqué, tout ça. Ah, bah tiens, il y a le village. Je pourrais au moins laisser les lamas au village. Ça, ce serait pas mal. Voilà, j'ai retrouvé le village. Ça, c'est bien. Ok, j'ai retrouvé le village. Par contre, si je vais au village, je vais y attirer tous les zombies du monde aussi. C'est ça le hic. Et puis là, j'ai un petit cheval avec son bébé. En plus, il y a un petit bébé. Il y a un bébé. Hop. J'irai quand même bien les attacher au village. Hop, hop, hop. Il y a du monde là. Allez, on me suit les lamas. On va essayer d'esquiver tout le monde là. Hop, là, on ramène du zombie. Est-ce qu'il y a... Oh là, il y a du creeper. Hop, hop, hop. Est-ce qu'il y a du golem? S'il vous plaît, j'aurais besoin d'un petit golem de service. Où est-ce qu'il y a un golem? Il n'y a pas de golem, zut de crotte. Pas de golem dans ce village? Il n'y a pas de golem dans ce village. Bon, les... Voilà, les lamas, vous allez rester là. Déjà, ça c'est réglé. Ok. Waouh, 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 il y a du monde là. Alors, on va essayer de les attirer avec moi. Hop, le creeper, on l'esquive. Ok. Et on va essayer de sortir du village là parce que sinon ça va vite être craignos pour tout le monde. Hop. J'espère qu'ils vont pas se détacher comme ils se détachaient avec moi.
aussi. Hop là, petite araignée des familles encore là. Qu'est-ce qu'elles sont casse-pieds, elles? Tiens, prends ça, tu prends pour les autres, toi. Hop, voilà. Hop, petit creeper, ils sont où les chats là? Et pourquoi ils se sont pas TP eux? Les chats là, vous êtes où là? Ah bah quand même! Nom d'une pipe, il y avait un creeper là, vous faites pas votre boulot. C'est quoi? Ah! Il y en a encore un. Il est toujours là. Ok, je t'ai vu. Petit creeper, je t'ai vu toi aussi le zombie. Bon, alors on va se faire une petite séance de Walking Dead. Visiblement. Ah, t'es pas mort, toi. Hop. Hop. Les petites torches dans la nuit. Je vais peut-être plus avoir de flèches aussi, à force. Alors, je prends ma pioche raccommodage pour récupérer l'XP, parce que, du coup, ça me permet, hop, de la réparer au passage. Attention, creeper. Araignée. Ok, c'est la fête ici, hein. C'est la fête. Bon. On n'a pas beaucoup de temps. On va boire ça. Tiens, je sais plus si je l'ai déjà fait. Je l'ai déjà fait. Hop. On va se remettre. Ça, on s'en fout. Bon, c'est pas pratique la nuit. J'ai ramené mes lamas. J'ai ma ruche. C'est pas simple. C'est pas simple de décider quoi faire, là. Ah, c'est pas tout d'être le 25 décembre, mais j'ai pas envie de finir comme le Christ, moi. Donc, et punaise, je trouve pas de marron, mais je trouve un rose le plus rare, quoi. Faut le faire, quand même. Ah bah si, il y avait un golem. Voilà, il y a un petit golem, là. Qu'est-ce que tu faisais là, toi? Dis donc, garçon, j'avais besoin de toi tout à l'heure. Ah, j'avais besoin de toi. Bon, je vais pas rester trop près, parce que tu vas peut-être taper sur du monde. Et ça me plairait pas trop de mourir encore une fois d'un golem. Ça, j'ai déjà donné. Bon, le village, j'ai retrouvé. Ok, mais ça me donne rien du tout pour l'instant. Et j'ai mes lamas. Je sais pas quoi faire, là, du coup. Parce que comme il fait nuit, on peut pas faire grand-chose. Si au moins, je trouvais une petite grotte à explorer, là. Hein? Finir la carte. Eh bah oui. Allez, on va finir la carte. En nocturne, tant pis. On a les chats avec nous, de toute façon. Et puis, bah, on va essayer d'aller par là. On sait qu'à l'angle... Hop là, il y avait un petit squelette là, caché dans l'angle. qui me fait mal, en plus. Voilà. On sait qu'il y a... Au niveau du village, j'ai laissé des lamas. Voilà, ça, c'est à retenir. Je compte sur vous, comme d'habitude, pour me servir glorieusement de pense-bête. Oh, regardez, on dirait une aurore boréale, là-bas. Oh, un petit squelette. Coucou, bonjour. Non, je suis plus là, je suis plus là, je suis parti, voilà. Je zigzague pour éviter les flèches. Ah oui, on dirait vraiment une aurore boréale, là. C'est super sympa. Ok, alors là, on fait gaffe. Tadam. Il y a du mouton, il y a tout ce qu'on veut. On mange un petit coup. Voilà. Par contre, ouais, ça a un petit effet brouillard, ce nouveau... Ressource pack qui est parfois un peu gênant, je trouve. Hop là! Ah bah, t'as pas tué mon chat, j'espère. Non? Bon, j'ai pas eu le... Oh, punaise. Oh, punaise. Vous... Là, vous pouvez pas le voir, mais j'ai des frissons plein le dos. La probabilité de tomber là-dessus... Elle était extrêmement faible. Regardez, ce bâtiment, pour ceux qui l'ignorent, c'est un manoir. Je n'en reviens pas. Alors là, joyeux Noël. Ouah ! Parce que là-dedans, déjà on peut trouver des totems d'immortalité. Bon, il y a d'autres façons maintenant d'en avoir. Mais clairement, on peut en trouver là. Et puis bah, y a parfois des trésors. Et puis bah, c'est surtout un progrès de plus. Donc clairement, je vais y aller, même si c'est très dangereux. Ah, il est en limite de carte. Regardez sur la carte, il est à la limite, quoi. Et alors, il est positionné d'une façon totalement originale, en plus, en plein bord de l'eau, là. Alors, faut faire gaffe quand même, hein, c'est plein de mobs, ce machin-là. Mais, ouais, waouh, j'en reviens pas. Alors là, pour finir la semaine, dur de battre ça. Là, c'est...
Un manoir. Waouh, c'est une des structures les plus rares de Minecraft quand même. C'est. Normalement, on la trouve à plus de 10 000 blocs de l'endroit où on arrive, facilement. Eh bah, dis donc. Eh bah, dis donc, je n'en reviens pas. Bah, je vais ranger la. Non, bah, je vais pas la ranger parce que de toute façon. Eh yes, 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 yes! La maison folle, un petit progrès de plus, 387. Je l'ai eu, mon petit progrès. Hop, je garde les émeraudes, ça c'est clair. Par contre, là, les fleurs, c'est gentil, mais non. Et on va terminer l'épisode dans un manoir. Là, vraiment, joyeux Noël. Très, très joyeux Noël. Waouh! Je n'en reviens pas. Franchement, j'en reviens pas. Pourquoi je peux pas mettre de torche là? Voilà, je voulais mettre une torche là, parce que, évidemment, un manoir, c'est super méga dangereux. Donc on va éclairer, on va sécuriser ça gentiment, on va se le faire gentiment. Clairement on va l'explorer hein, parce qu'il y a pas mal de mobs à tuer là-dedans. Mais je n'en reviens pas. Eh bien vous savez comment on va débuter la semaine prochaine, hein, ce sera l'exploration d'un manoir. Voilà, je vais me mettre à l'extérieur, je pense que là je crains plus rien. Waouh, je m'attendais vraiment pas à conclure l'épisode comme ça, très franchement. C'était plutôt un épisode où je savais pas trop quoi faire là parce que j'étais un peu paumé la nuit, mais voilà, comme quoi bah se partir en balade des fois, pouf, on tombe sur le truc totalement improbable, un manoir. J'ai donc le monument de la mer, le manoir, le temple du désert. J'ai fait les donjons. Qu'est-ce qui va me manquer? Eh ben il manque le Stronghold. Mais là, waouh. Allez, bah, l'épisode est terminé, la semaine aussi. Donc je vais vous dire à lundi, si le cœur vous en dit. Et puis bah, à nouveau, un très grand joyeux Noël. Avec bah, ceux avec qui vous le passez ou avec vous-même, peu importe, on s'en fout. Très joyeux Noël. Portez-vous bien. Ciao, ciao.